lover's got a humor. She's the giggle at a funeral. With everybody's disapproval. Should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the lie through mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, amen. Hey, amen. Hey, amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that. Yeah. Death is death. Gets God, let me give you my life. In the madness and soil. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marc Hatem. Je viens du Liban et j'ai 25 ans. On adore le Liban. Ya Beyrouth. Et t'as tellement compris la chanson, tu y as donné plus de rage qu'elle n'en a jamais eu, à mon avis. Mais c'est tellement difficile de passer après Ozier. Et toi, tu l'as fait avec encore plus d'implication. Moi, j'ai eu des décharges électriques émotionnelles qui m'ont fait beaucoup de bien. Moi, j'ai complètement oublié aussi, quoi. Je préfère ta version, je te jure. Il y avait un truc... Non, mais... Nice. Il n'y a pas un seul cliché dans ce que tu présentes. C'est-à-dire qu'au début, tu dis... OK, ce mec sait faire des negros spirituels, tu vois, dans cette culture ouais, d'église. Exactement. Et puis après, tu dis... OK, ce mec en a juste rien à faire de ce qu'on pense. Tu vois, c'est fragile. Tu t'excuses pas et en même temps tu dis mais c'est comme ça que je suis. Il y a la colère, il y a la foi. C'est juste énorme ce que tu as fait, quoi. Donc bravo. Merci beaucoup. C'est hallucinant. J'attendais pas un jeune Libanais sur la scène. Moi j'attendais quelqu'un qui allait chanter du Negro Spiritual, oui, quelqu'un qui remplissait tout le studio comme ça. C'était... Comment t'as appris à chanter comme ça? C'est ma mère qui m'a transmis les gènes. C'est une chanteuse? Non, c'est pas une chanteuse professionnelle, mais elle a une voix super. Ok. De chanter une chanson comme ça, comme si t'étais à l'église, mais en même temps avec une irrévérence qu'on ne trouve pas dans la musique de l'église. C'est le choc entre les deux qui est très intéressant. Très. C'est vrai que vous nous avez apporté et du gospel et du rock. Ce qui est assez rare parce que le rock, c'est quelque chose de plus arraché. Et dans votre voix, vous avez le velours, vous nous proposez vraiment un beau tissu et un moteur puissant. Parce que ce que vous envoyez, et plus encore, pour nous, dans The Voice, c'est du caviar, hein, des talents comme vous. Mais j'ai pas compris, vous faites quoi comme travail? Je suis architecte. Vous êtes un architecte, ouais. Et vous chantez comme ça? Et quand vous chantez à votre bureau, vous devez faire part à tout le monde. Ils chantent et les maisons se montent toutes seules. Oh.
Mais t'as envie d'être chanteur, t'es pas ici pour rien, quoi. Sûr. Et il y a de quoi faire. Eh oui, t'es plutôt doué. Bon. Là, c'est le moment où t'as pas envie de choisir, c'est ça. J'ai envie de rester là et c'est tout. Bah là, tu vas y revenir, hein, parce que là, t'es dans l'aventure. Hein. Moi, je crois que le meilleur choix pour moi, ça serait Garou. Une femme aussi. Oh man, c'est ce que je cherchais. T'es fort. Ah, c'est super. Bravo. Well done.